Bienvenue à tous dans cette émission de À l'affiche 100% dédiée à l'actualité musicale. C'est la saison des festivals. On vous emmène au Maroc pour célébrer un quart de siècle de musique gnawa. Gros son et riff de guitare assuré du côté du Hellfest en France, à guichet fermé. Et une rencontre avec la nouvelle reine de la néo-funk, la franco-caribéenne Eddy Oasis. C'était jeudi soir, le coup d'envoi du festival des Sawira au Maroc. On va tout de suite retrouver sur place notre envoyée spéciale, Nina Masson. Le festival Gnawa des Sawira qui célèbre son premier quart de siècle. Bonjour Nina. Bonjour Sonia. Oui, 25 ans que les rythmes gnawa font vibrer la belle Essaouira. 3 jours de fêtes et de concerts, tous gratuits. Alors pour son tout premier quart de siècle, le festival a réuni plus de 400 artistes venus de 14 pays. Au total, 53 concerts sont programmés avec 35 malem ou maîtres gnawa au rendez-vous et 500 000 spectateurs attendus. Le coup d'envoi a été donné hier soir par l'incontournable parade gnawi au cœur de la cité des Alizés. Je vous propose de regarder un extrait des belles images tournées par Jérôme Vassilakos. Voilà, effectivement, on constate la fête dans les rues d'Essaouira. Alors Nina, d'où vient cet art ancestral ? Eh bien, c'est une tradition qui remonte au XVIe siècle et qui a été perpétuée par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique subsaharienne. Une tradition qui a d'ailleurs été inscrite en 2019 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais depuis 25 ans, eh bien, ce festival est toujours parvenu à relever un défi, celui de faire voler en éclats absolument toutes les barrières culturelles. À l'image du concert d'ouverture, c'était hier soir, il a réuni pour la première fois sur scène 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe, avec des musiciens venus du Maroc, de Côte d'Ivoire, du Brésil, mais aussi d'Espagne. Parmi eux, le grand malem gnawi Hassan Boussou. On l'a rencontré au cœur des Sawira avec Jérôme Vassilakos. Écoutez. Mon histoire avec ce festival, c'est 25 ans de participation, 25 ans de partage, 25 ans de connaissances et d'échanges. La musique gnawa, pour moi, c'est une musique mère comme le jazz, comme le blues. On peut fusionner. Le principal instrument, c'est le gambri. Qui est accompagné par les carcabs, les castagnettes, et après le tba, les chants, les danses, tout ça c'est la musique gnawa quoi. Et preuve que la musique gnawa ne cesse de se réinventer. La tête d'affiche du festival cette année, Nina, c'est le chanteur franco-algéro-serbo-palestinien Saint-Levant, que vous aimez beaucoup je crois d'ailleurs. Oui, je l'aime beaucoup et je ne suis pas la seule. C'est un artiste qui mêle dans ses chansons des sonorités hip-hop à un fond oriental. Alors sa muse de toujours, eh bien, c'est la Palestine. Il chante ses louanges dans presque chacune de ses chansons, notamment dans le titre Dera, qui donne d'ailleurs son nom à son prochain album. C'est un titre qu'il chante avec le rappeur palestinien venu de Gaza, MC Abdul. On écoute un extrait. بين النهر والجبال بلاقي انتمائي
الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبتنا. Autre tête d'affiche, la chanteuse Asma Hamzaoui, c'est l'une des toutes premières femmes gnaouia, donc à pratiquer la tagnaouit, cet art ancestral qu'est le gnawa. Elle incarne à elle seule les mutations qu'a connues le festival au cours de ses 25 dernières années. C'est ce que nous a expliqué la fondatrice du festival, Neila Tazi. Écoutez. À travers ce festival, nous avons voulu faire la démonstration que par la culture, on fait grandir les âmes, on fait grandir les esprits, on fait évoluer les choses. Et il est vrai que la confrérie des Gnawa est une confrérie très masculine, mais depuis quelques années, nous avons enfin vu émerger des femmes qui jouent du Gembri et qui sont devenues des maîtres de la Tegnawi. Voilà Sonia, et je voudrais citer pour conclure l'une des devises de Neila Tazi, la meilleure façon de prédire l'avenir, eh bien, c'est tout simplement de le créer, ce festival qui s'ouvre de plus en plus aux femmes, en est la parfaite illustration. Merci Nina Masson et merci à Jérôme Vassilakos derrière la caméra. Profitez bien de ce festival avec ce très beau soleil du côté des Sawira. On change d'ambiance, c'est parti à plein volume pour la 17e édition du Hellfest. Les métalleux du monde entier sont réunis à Clisson dans l'ouest de la France où se sont ouvertes les portes de l'enfer sur 180 groupes et 6 scènes. Une foule de dévots s'est encore arraché les 200 000 tickets pour écouter et sauter au son de Metallica ou encore Queen of the Stone Age. On remarque aussi l'arrivée de groupes plus rock comme Foo Fighters et Chaka Ponk pour cette édition 2024. Les décors ont demandé des mois de préparation. Ils sont très travaillés pour proposer une plongée dans la ville d'Infernopolis. On écoute 72 Seasons, l'un des clips du groupe Metallica de l'album éponyme. Voilà, Metallica en tournée tout l'été. Une rencontre à présent avec une artiste au parcours singulier, Eddy Oasis. Elle a été bassiste pour les plus grands noms du rock et de la funk de CeeLo Green à Lenny Kravitz. Avant de se lancer en solo dans la chanson, gros coup de cœur pour l'artiste franco-caribéenne dont l'album Lotus Glow vient de sortir en version deluxe. Solène Close et Gaël Fonseca sont tombés sous le charme. Bonjour, c'est Eddy Oasis. Bienvenue sur France 24. J'avais 2 ans quand j'ai commencé à chanter et ensuite à l'âge de 5-6 ans j'ai rejoint une chorale. Mon papa est de la Martinique, donc j'ai une culture créole très forte. J'ai grandi avec cette culture, cette langue. À la maison, il y avait énormément de musique. Toutes les réunions de famille, on chante, on danse. Et ça a ancré en moi le fait que la musique fasse partie de mon identité. La version deluxe de l'album Lotus Glow sort bientôt et il y a de nouvelles collaborations. Celle avec Luigi Luna en particulier m'a vraiment marquée parce que ça a vraiment ouvert des portes pour moi au Brésil. Je suis super contente d'avoir quelque chose en portugais avec la langue et quelque chose qui me rapproche au public brésilien. Dans cet album Lotus Glow, je partage mon expérience de femme, beaucoup. Et je trouve qu'on n'a pas assez de chansons où les femmes parlent de ça, en fait. Ce qui a inspiré cette chanson aussi, c'est
la Cour suprême aux États-Unis qui a retiré le droit à l'avortement. C'est horrible. Et donc, j'ai voulu écrire quelque chose qui nous redonne à nous, en tant que femmes, le pouvoir. Je fais un enfant quand je veux, en fait. En arrivant aux États-Unis, j'ai vraiment découvert cette culture des armes à feu qui est très difficile à comprendre quand on ne vit pas là-bas, en fait. Il y a des mass shootings, ce qu'on appelle mass shootings, constamment, et moi, je trouve ça me choque. Moi, je n'ai pas beaucoup de pouvoir politique ni quoi que ce soit, mais je voulais exprimer ma rage par rapport à ça. Et mon message, c'est juste, jetez-les, vos guns, et c'est tout. Et la tournée européenne dédiée Oasis se poursuit jusqu'en octobre prochain. On parlait du Hellfest dans ce journal. Le métal électrise aussi, telle une lame de fond, une première exposition d'envergure à la Philharmonie de Paris. Une histoire détonnante à n'en pas douter. Qui aurait pensé voir un jour entrer le hard rock au musée? On se quitte avec ces images. L'info continue sur France 24. Merci de votre attention. Shotgun to my head, they said I wasn't worth the bullets.